Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce samedi. Un vaste chantier des luttes contre les érosions vient de s'ouvrir à Kanango, Kasaï Central. Le chef de l'État fait les déplacements dans cette partie du pays pour lancer officiellement le travaux sur le site de la SNCC. Des travaux qui entrent dans le cadre du programme d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. Le détail au début de ce journal. Également au sommaire, détention des armes légères et petits calibres. Le gouvernement veut cette fois-ci serrer la vis. L'opération des traçabilités des armes a déjà débuté pour la première phase de ces opérations. 6 provinces étaient concernées et près de 314 000 armes ont été enregistrées, identifiées, codifiées. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, couleurs plus éclatantes, images de meilleure qualité. Bienvenue à l'ère de la haute définition. La radio-télévision nationale congolaise va dans le prochain jour se faire une beauté avant le début du 9e jour de la francophonie. Un premier lot de matériel, dont 4 quarts des reportages et caméras, vient d'être réceptionné à l'aéroport international de Djili par les comités dirigeants de ces médias publics. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous le rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier vendredi à Kananga dans le Kasaï central en visite d'inspection de 24 heures. Le président de la République a été accueilli chaleureusement par la population. Juste après les cérémoniales d'accueil, le garant de la nation lance officiellement sur le site de la SNCC le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga pour mettre fin aux têtes d'érosion qui menacent le chef-lieu du Kasaï central, comme nous dit Guilain Kabalondi dans ses reportages. Drapeaux de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grand jour ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kasaï central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kasaï central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo débute ses jours une visite d'inspection de routine après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour les chefs de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kasaï central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC en plein cœur de Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Puruk, ainsi. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet Puruk à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, OVD, a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ce bref séjour du chef de l'État à Kananga sera également marqué dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales civiles et militaires et les forces vives de la province. Et puis signalons que le chef de l'État a déjà quitté Kananga. Il séjourne actuellement dans la ville de Mbujimayi. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a inspecté quelques grands travaux des routes d'adduction d'eau potable en pleine exécution. Les images dans nos prochaines éditions.
Détention des armes légères et petits calibres. Le gouvernement veut cette fois-ci serrer la vis, je le dis également au sommaire. L'opération de traçabilité des armes a déjà débuté. Pour la première phase de ces opérations, 6 provinces étaient concernées et près de 314 000 armes ont été enregistrées, identifiées, codifiées. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a clôturé cette première phase, a promis la poursuite de ces processus dans d'autres provinces. Alain Bikaï pour la suite. La lutte contre la circulation illicite des armes légères en République démocratique du Congo fait partie des priorités de la vice-primature de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, a présidé la cérémonie de la clôture de la phase des opérations de marquage d'armes qui a eu lieu dans la partie est du pays. Près de 14 000 armes ont été déjà marquées dans 6 provinces, à savoir Ville-Province Kinshasa, Congo Central, Tanganyika, Ituri, Nord et Sud Kivu. Selon Maître Peter Kazadi Kankonde, cette opération entre dans le cadre de lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et de petits calibres, facteurs de l'insécurité au pays. Les armes légères et les petits calibres sont considérés en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité non négligeable de ce type d'armes est qu'elles sont présentes et circulent illégalement entre les mains des personnes non autorisées d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimentant ainsi les conflits communautaires, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et les banditismes de tous bords. Les armes nouvellement marquées passent à l'enregistrement et ensuite un code unique de marquage est attribué à chacune d'elles conformément aux directives du centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs et la Corne d'Afrique. Organisé par la Commission nationale de contrôle des armes légères, des petits calibres et réduction de la violence armée, cette opération va s'étendre dans d'autres provinces. La politique du gouvernement congolais sur la justice transitionnelle, principalement dans le secteur de la défense, sujet évoqué au cours d'un échange entre Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense, et une délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Plus de précisions dans ce reportage de Nicole Sesseplouk. Conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta Bokoum, la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur les mandats que le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme a donné à l'équipe des experts internationaux pour travailler et aider le gouvernement congolais à élaborer sa politique de justice transitionnelle. Il m'a informé de tous les efforts qui sont faits par son département justement pour remplir ce rôle dans le cadre de la justice transitionnelle. Les réformes au niveau de son département, les espoirs, le travail qu'il fait sur le terrain et aussi particulièrement la lutte qu'il mène contre l'impunité. Le mandat que le Conseil nous a donné est un mandat qui entrevoit plusieurs visites dans le pays, un dialogue interactif qui a déjà eu lieu au mois de mars, mais surtout la rédaction d'un rapport qui sera soumis au mois de septembre, justement pour indiquer les progrès que le pays fait dans le domaine de la justice transitionnelle et aussi les recommandations qui peuvent être faites pour aider le pays à mener sa politique. Marie-Thérèse Bokoum et toute la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rentrent satisfaites après avoir eu de bonnes informations auprès du patron de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. J-3 avant le début du sommet quadripartite de chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra Luanda en Angola. Les experts de la RDC sont déjà sur place pour préparer ces grands forums. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu prochainement dans la capitale angolaise. Le retrait du 1-23 du sol congolais parmi les sujets qui seront sur la table de discussion, comme nous dit Sylvie Mouimbo dans ses reportages. Le sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, qui se tiendra en Angola le 27 juin prochain, connaîtra l'implication de la CIRGEL, la SADC et la CEEAC.
sous l'égide de l'Union africaine. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région du Grand Lac. Les dirigeants de la région ont constaté que les progrès ont été réalisés, mais pas suffisamment. Ainsi, ils ont réaffirmé la nécessité de renforcer la coordination ainsi que l'opérationnalisation du cadre pour la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du retrait du 1-23 des territoires occupés. Sont attendus à ces sommets le président du Burundi en tant que président en exercice de l'EAC, qui sera accompagné du facilitateur Uhuru Kenyatta, les présidents de l'Angola et président de la CIRGEL, João Lourenço, qui est également le leader désigné champion de l'Union africaine pour la promotion de la paix et la réconciliation, et les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'administration publique forte, efficace et de qualité, colonne vertébrale d'un pays sur le rail de développement. C'est l'objectif affiché par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui à l'occasion de la journée africaine de la fonction publique est revenu sur les réformes en cours dans son secteur. On écoute Jean-Pierre Léon. Le 23 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la fonction publique. C'est souvent l'occasion pour chaque État de faire le point sur les efforts consentis pour tendre davantage vers une fonction publique qui se conforme notamment aux principes et valeurs du service public et de l'administration publique. C'est aussi et souvent le moment de tirer les bonnes leçons du processus transformationnel et des changements engagés, mais surtout d'œuvrer pour disposer à terme d'une fonction publique efficace et de qualité. Il s'agit enfin d'une occasion pour mettre en valeur les rôles que doit jouer l'administration publique dans le développement des communautés. En Afrique, c'est depuis 1994 qu'a été instituée par l'Union africaine la journée africaine de l'administration et de la fonction publique. À cette occasion, un thème continental est choisi pour célébrer la journée. Et cette année, le thème retenu est la zone de libre-échange continentale africaine nécessitera une administration publique africaine adaptée à son objectif pour réussir. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette journée particulière, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les agents publics de l'État qui contribuent chacun à son niveau à la réalisation progressive de l'idéal d'une administration publique des valeurs. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous accomplissez au quotidien et vous dire les soutiens affirmés du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'RDC célèbre aujourd'hui les poissons, le secteur de la pêche fortement impacté par la COVID-19 et la guerre en Ukraine ces dernières années. Mais l'RDC a dû faire face à ces chocs grâce à un train de mesures des ripostes mises en place par le gouvernement congolais, parmi lesquels la distribution des intrants et matériels aux pêcheurs afin de leur permettre de poursuivre leur production. C'est l'essentiel du message du ministre de la Pêche et les Vaches à l'occasion de la célébration de la journée nationale du poisson commémorée le 24 juin de chaque année. On l'écoute. Cette journée est célébrée chaque année pour mettre en relief la place de marque qu'occupe le poisson dans la vie du Congolais. Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture ont été ces dernières années violemment secoués par les effets pervers de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre de l'Ukraine qui n'ont épargné aucun secteur productif. Fort heureusement, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait pris un trait de mesure de riposte contre la pandémie et l'atténuation de la crise consécutive à la guerre sous-évoquée, et ce, en vue de permettre aux paysans, pêcheurs et aquaculteurs de ne pas baisser les bras et
de poursuivre leur mission de nourrir notre peuple grâce à leur production du poisson. Certes, l'heure n'est pas au bilan du ministère de la Pêche et de l'Élevage. Néanmoins, on se souviendra toujours que grâce à l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, aussi à la coordination du Premier ministre, mon ministère est resté au chevet des producteurs du poisson en leur fournissant des intrants et matériel piscicole et de pêche. Couleurs plus éclatantes, images de meilleure qualité, bienvenue à l'ère de la haute définition. La radio-télévision nationale congolaise va dans le prochain jour s'y refaire une beauté avant le début du 9e jeu de la francophonie. Un premier lot de matériel, dont 4 quarts de reportages et caméras, vient d'être réceptionné à l'aéroport international de Ndjili par les comités dirigeants de ces médias publics conduits par la directrice générale Sylvie Elengue. Ces matériels permettront de faire une mise à jour technique, comme nous dit Eugénie Dadacha dans ce reportage. La radio-télévision nationale congolaise, diffuseur haute de jeu de la francophonie, pilotée par Mme Sylvie Elengue Nyembo, met toutes les batteries en marche pour assurer la retransmission en direct avec un signal de qualité des jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023. Grâce à l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement, la RTNC vient d'être dotée de matériels audiovisuels de la dernière technologie. Ces matériels sont composés de 4 quarts de reportage avec faisceaux, des caméras et autres accessoires des technologies de pointe. Le premier lot est arrivé ce matin à l'aéroport international d'Ndjili. Il était réceptionné par le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, qu'accompagnait le directeur général adjoint, José Adolphe Voto. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribert Louboto, a assisté également à l'arrivée de ces matériels. Une opportunité pour le directeur général d'exprimer sa gratitude au chef de l'État. C'est grâce au président de la République qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio-télévision nationale congolaise. Ici, nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit, au nom des agents et cadres de la RTNC, parce qu'enfin, les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés, parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées, ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réaliser et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel. L'arrivée du deuxième lot est prévue incessamment avec l'acquisition de ces matériels. Le rêve de la renaissance et de la modernisation de la RTNC est devenu réalité. Les produits agricoles sortis des terres congolaises seront exposés aux États-Unis au mois d'août prochain lors du Festival du Forum agricole de la RDC. L'ANAPEX, l'ANADEC et autres structures unissent déjà leurs efforts pour mieux accompagner les producteurs, exportateurs et entrepreneurs œuvrant dans les petites et moyennes entreprises. Plus de précisions dans ce reportage de José Baïtombre. De l'agriculture rudimentaire à l'agriculture mécanisée, la RDC se lance cette fois-ci dans l'entrepreneuriat agricole. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de ces forums sur l'émergence de l'entrepreneuriat agricole. Producteurs, entrepreneurs et exportateurs ont pris part à ces cadres de change organisés à l'Agence nationale des promotions des exportations en collaboration avec l'ASBL Sungayang Congo sous un thème qui appelle à un engagement des acteurs. Réforme agricole de la RDC. C'est que nous puissions promouvoir les produits made in DRC vers l'étranger et améliorer la chaîne de valeur. Tour à tour, le directeur général de l'ANAPEX, du FOGEC et de l'ANADEC ont souligné la corrélation existante entre les trois structures
qui prend tout son sens à travers ces binômes, promouvoir l'entrepreneuriat et apporter un appui financier aux entrepreneurs pour leur permettre d'améliorer leur production et ainsi exporter. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, un écosystème est en train de se mettre en place. La collaboration et l'horizontalité, c'est également ce que nous sommes en train de mettre en place pour que l'entrepreneuriat soit demain une vraie réalité dans notre pays. Et nous verrons tous ensemble, nous mettrons toute notre intelligence, tous nos moyens, toute notre capacité pour pouvoir aider les entrepreneurs congolais à être visibles au plan international. Le directeur général de l'ANAPEC s'est dit confiant et prêt à relever ces défis ensemble avec les structures sœurs afin que le produit Made in Congo pénètre le marché américain en particulier, s'appuyant sur les possibilités qu'offre le festival des forums agricoles de la RDC qui va se dérouler en août prochain aux États-Unis. L'agriculture en RDC, c'est une sorte de potentialité énorme. Et pour qu'on puisse aller de l'avant, il faudra organiser tous ces bons mondes-là. La première partie s'est achevée par la visite guidée conduite par Mike Tambwelu Bemba au showroom de produits congolais prêts à l'exportation, puis au stand installé dans les halls d'entrée de l'ANAPEX. 20 ans après, le RDC et l'Angola vont se retrouver autour d'une table le 13 juillet prochain à Kinshasa pour procéder à la signature d'un protocole d'accord sur l'exploitation de ressources en hydrocarbures dans les zones maritimes d'intérêt commun. C'est l'une des décisions prises au terme d'une réunion bilatérale entre les deux pays tenue à Luanda. Regardez. La RDC et l'Angola se sont mis d'accord pour l'exploitation commune de ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun. Le ministre congolais des hydrocarbures Didier Bidimbu et son homologue angolais Diamantino Pedro Azevedo ont harmonisé leurs vues sur le terme du contrat devant conduire aux négociations avec l'opérateur reconnu pour la zone maritime d'intérêt commun et discuter sur le mécanisme conjoint d'échange de produits pétroliers fournis à la République démocratique du Congo. Au cours de ces deux jours d'échange, les deux pays ont tapissé la discussion sur l'harmonisation des principes directeurs du contrat de partage de production, à savoir l'actualisation des équipes techniques ainsi que la liste des délégations angolaises pour négociation avec l'opérateur, la présentation et validation d'une feuille de route sur les travaux des négociations avec le chevron, la proposition des signatures à Kinshasa le 13 juillet 2023 d'un protocole d'accord entre le ministre des hydrocarbures de la RDC et le ministre des ressources minières, du pétrole et du gaz de la République d'Angola. Pour ce faire, un mécanisme conjoint d'échange de produits pétroliers reposant sur quatre piliers a été mis en place, dont l'une porte sur les propositions de contrats d'approvisionnement et le protocole d'accord élaboré par les équipes techniques. Tous ces éléments seront soumis à l'examen du conseil d'administration de la Sonaïdro. Il faut dire que l'engagement dans la valorisation du secteur des hydrocarbures par Didier Bidimbu a forcé l'admiration de son homologue angolais dans la bonne négociation pour atterrir dans la zone maritime d'intérêt commun, ZIC en sigle. Les regroupements politiques Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, a tenu sa première réunion avec tous ses effectifs. Objectif, évaluer l'organisation de la sortie officielle de cette plateforme politique et aussi jeter des bases pour l'organisation de son bureau politique. Maloumbela pour la suite. Après son lancement officiel le 1er juin 2023, les membres fondateurs de l'Alliance des acteurs attachés au peuple ne dorment pas sur leur laurier. Ils tiennent mordicus à atteindre leurs objectifs. Ce 21 juin, sous la conduite de leur autorité morale, Tony Kankushiku, s'est tenue la première réunion qui a mis autour de la table tous les chefs des partis politiques, membres effectifs de ces regroupements. Réunion au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés. Il était question que nous puissions évaluer de quelle manière cette sortie politique a eu des incidences par rapport à l'environnement politique. Que bientôt nous aurons une grande manifestation publique et populaire pour que notre peuple, au niveau de la cité, au niveau des bases, puisse savoir comment pouvoir situer les nouveaux regroupements AAP qui composent notre regroupement. La cartographie électorale, vous savez que les dépôts de candidats vont commencer le lundi. Il est question que la cellule puisse recevoir les présidents des partis politiques et aussi examiner certains dossiers que les uns ou les autres, donc il s'agit des partis politiques, s'ils ont des contentieux judiciaires, c'est le moment de pouvoir les régler. Et enfin, le leadership du gouvernement sera annoncé demain. En termes de l'ossature. Une rencontre se prépare incessamment avec le secrétaire général de l'UDPS, Laurent Batumona l'a annoncé. Nous sommes
aussi les alliés de l'IDPS. Nous allons avoir une rencontre avec le secrétaire général de l'IDPS pour pouvoir chercher certains rapprochements pour des questions cruciales. Travaillons encore une fois pour le chef de l'État, pour chercher à avoir une majorité parlementaire qui va lui assurer de pouvoir continuer sa fusion, pourquoi pas l'appliquer intégralement. Les portes de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, restent ouvertes pour les nouvelles adhésions. Une salle de conférences et des événements baptisés au nom du couple belge Philippe et Mathilde vient d'ouvrir ses portes à l'Université de Lubumbashi. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle salle a été présidée par le recteur de cette université. Suivez. Dédiée au couple royal Philippe et Mathilde, décoré aux couleurs de la Belgique et de la RDC, le salon inauguré ce mercredi 21 juin 2023 témoigne de l'excellence des rapports entre la Belgique et la RDC, tout en reflétant les rapports des relations dynamiques entre les universités congolaises et belges. Ce joyau est l'une des réalisations représentatives du recteur Kishiba Fitula, qui se voue corps et âme à consolider et pérenniser les passerelles entre les universités belges et congolaises, en l'occurrence l'université de Lubumbashi. Le 10 juin, du fait de la diplomatie agissante du président de la République démocratique du Congo, nous obtenions la visite du couple royal de Belgique après qu'il ait procédé à la signature d'un texte qu'il a destiné aux générations présentes et futures parmi les étudiants, les étudiantes de la RDC à l'égard de la jeunesse congolaise. Pour nous, des universités de la République démocratique du Congo, une marque de noblesse. Le monde a besoin de la RDC. Le monde a besoin de la Belgique. La Belgique a besoin de la RDC. La RDC a besoin du monde et de la Belgique dans l'interaction et la synergie urgente aujourd'hui pour engager les forces. Consul du Royaume de Belgique, Alexandre Janasso, a rappelé le passage royal à l'université de Lubumbashi qui fut l'événement exceptionnel en toile de fond de la dédicace. De l'honneur que vous faites à notre pays en baptisant ce salon du nom de couple royal Philippe et Mathilde, en hommage à leur majesté le roi et la reine, en visite ici même à Lubumbashi, il y a à peu près un an de cela maintenant. Sachez que de vibrants témoignages nous touchent profondément. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Mouéloa Sambi, a escorté la coupure du ruban symbolique aux côtés du vice-consul, du président intérimaire du conseil d'administration des universités congolaises et du recteur. Portes ouvertes, les personnalités ont découvert avec admiration la bâtisse. Les ressortissants de la Grande-Bretagne résidant en République démocratique du Congo ont célébré hier des King's Birthday Party, fête de l'anniversaire du nouveau roi Charles III. Plusieurs personnalités congolaises étaient présentes à cette cérémonie. Regardez. Les portes de l'ambassade du Royaume-Uni en RDC étaient ouvertes pour célébrer The King's Birthday Party, cette fête du nouveau roi Charles III, organisée par l'ambassadeur Alison King, est une première fête d'anniversaire du roi dans une RDC indépendante, a-t-elle dit, car son pays n'a plus eu de roi depuis 70 ans. L'ambiance était totale. La dégustation et la musique de l'orchestre kimbanguiste, aussi du groupe Vox disposa occasion pour l'ambassadeur de remercier son équipe aussi. Tous les invités à la dite fête avant de rappeler les nombreux liens riches et diversifiés qui unissent la RDC et le Royaume-Uni. Aussi, les deux peuples. On peut citer la protection de l'environnement, son soutien dans les secteurs de la santé, des mines et de l'économie. Quelques invités témoignent. C'était un privilège pour moi et mon épouse pour participer à cette célébration de l'anniversaire des rois de Grande-Bretagne ici à Kinshasa. Je sais que nous avons une bonne relation dans les pays africains avec la Grande-Bretagne et ça me fait croire que les pays africains ont les bonnes relations avec Les invités ont aussi eu droit à une tombola organisée par l'ambassade du Royaume-Uni avec l'appui du groupe Sokin.
Dernier virage de ce journal, grogne des enseignants de Yumbi dans la province du Maïndombe. En colère, ils ont entamé une grève sèche depuis le 13 juin et ont manifesté le jeudi dernier pour exiger le paiement de leur salaire du mois d'octobre 2020 et de mai 2023 versé à la banque et non perçu jusqu'à ces jours. Ils pointent du doigt l'association Caritas Congo, comme nous dit Redépanda dans ce reportage. Les enseignants de Yumbi dans la province de Maïndombe n'ont pas encore reçu leur salaire d'octobre 2020 et mai 2023. Deux mois donc non payés depuis le 13 juin, ces enseignants en grève ont abandonné totalement les activités scolaires. Une adversité est née entre eux et l'association Caritas Congo. À la suite de ces mécontentements avec pression, les agents de sécurité ont fait la sommation pour disperser la foule gréviste et calmer la situation. Mais les activités scolaires demeurent paralysées. Un grand flou subsiste sur le sort réservé aux examens de fin d'année et sur les éventuelles délibérations qui en découleraient. Les enseignants victimes de ces paiements expriment leur ras-le-bol. Nous sommes ici précisément dans la paroisse Christ et Roi Lévi. Effectivement, nous avions totalisé 8 jours et 8 nuits. Notre décision finale est celle-ci. Nous allons demeurer ici, nous allons quitter ici, pardon, dès qu'on nous paye nos salaires. Dans les cas contraires, nous allons demeurer ici. Il est donc urgent que les autorités en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique trouvent la solution en vue de sauver la vie des enfants dans cette partie du pays. Vous avez là reconnu le timbre vocal de notre consoeur Mamita Bangoulou. C'est fini complètement pour ce journal de 7 heures. Ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Émile Zola, José Dimone Kine, Joseph Ndienzo, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Constance Mananga. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.